Bonjour, bonjour à tous. Bonne année à vous tous. Bonne fête. Voilà, ce matin, j'ai constaté un peu que les gens parlent, plein de personnes parlent de déblocage de Itel et comment faire cela. Bon, j'ai vu sur notre, c'est pas le groupe, on peut appeler le groupe, groupe WhatsApp, oui. Il y a un jeune qui demandait comment débloquer Itel 1550. Ok. Donc tu vas sur le site injecteur.tk, tu télécharges Mirabos 2.27A. Cela est craqué déjà, quoi. Voilà pourquoi je te recommande cela. Et tu ouvres le Mirabos et tu rentres ici. Oui, déjà c'est la page d'accueil qui est là après avoir ouvert le Mirabos. Une fois tu viens sur cette page une local office, voilà, arrivé ici tu cliques là. Une fois tu cliques là, bon, il y a des pilotes que tu dois télécharger. Peut-être que je vais faire une vidéo si ton ordinateur reconnaît pas le ITEL. Mais si tes pilotes sont déjà installés, tu viens là, tu choisis un instant, voilà, et tu viens là, tu choisis 65, 72, voilà, c'est la version de ton téléphone, ça. 65, 72. Je vois pas, hein. 65, 72. Ici, c'est 62, 50 et 76. 65, 67. Bon, 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 bon. 65 ici, 65, 72. Bon. Voilà, bon. Et tu prends cela. Tu prends, voilà, tu prends ça. Et si tu sais très bien que tous tes pilotes sont installés, voilà, tu cliques là. Toujours non, et tu branches ton téléphone, tu appuies le bouton volume d'en bas, ou bien tu maintiens les deux volumes. Voilà, ça dépend de toi, mais tu peux maintenir volume d'en bas. Une fois tu maintiens volume d'en bas, tu branches le câble USB sur ton téléphone. Automatiquement, ici va télécharger à 100% et il va dans, au bout de 30 secondes, voilà, ton téléphone est déjà, c'est déjà fini. Et tu allumes, c'est fini.